Et bonjour les gens, c'est H2SK2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo où je vais donner mon avis sur Avengers Infinity War. Parce que là, ça fait à peu près une heure que je suis sorti de la salle et je suis juste trop ému, trop content, trop... C'est incroyable l'émotion qu'on ressent. C'est un truc qu'on attend depuis hyper longtemps, ce film, ce crossover, on l'attend depuis tellement longtemps. Et là on le voit et on n'est pas du tout déçu. J'avais trop peur qu'ils me déçoivent au niveau de l'humour, au niveau de certains trucs où je me disais oh c'est un peu facile. Mais en fait pas du tout, pas du tout, impossible d'être déçu. Il y aura toujours des gens où ils seront déçus par certains trucs, certains points, mais moi franchement je suis hyper heureux. C'est vraiment incroyable. Le truc est tellement puissant émotionnellement, enfin tu le sens quoi. Les paysages sont beaux et on sent le truc, on sent les émotions qui... Quand un personnage meurt, on sent comment il est affecté, comment il se dit putain je vais mourir. Et nous on est en mode putain il va mourir. Et son pote qui le regarde mourir il dit en mode putain il va mourir. Et on sent, on le sent qu'ils sont en train de mourir. On a l'impression que vraiment c'est des vraies personnes dans le monde qui sont en train de mourir. Alors c'est vrai que ce que je dis c'est un peu dingue, c'est même abusé. Mais c'est presque ça quoi. J'espère que vous l'avez pas été, mais j'ai pas été spoil du tout. Je suis arrivé au ciné, j'avais vu deux spots TV, donc le premier qui était passé au Super Bowl et le chant, et les deux premières bandes annonces, enfin les deux premières, les deux bandes annonces d'Avengers Infinity War. Sinon le reste je ne l'avais pas vu. Les autres spots TV, je ne les ai pas du tout vus. Et je me suis dit, purée, et si j'arrive au ciné que je me fais spoil, je meurs. Et je ne me suis pas fait spoil, je l'ai eu zéro spoil. Zéro spoil à propos de telle apparition, ou de telle mort, ou de telle situation, ou de telle scène que j'étais pas censé savoir. J'avais coupé YouTube, Twitter et tout, Facebook, Instagram, tout. Au niveau des bandes-annonces, les gars qui ont fait les bandes-annonces sont juste trop forts. C'est-à-dire que, vous savez, j'avais fait une vidéo où je disais que Hulk n'apparaissait pas dans Avengers Infinity War. Vision, je sais plus ce que j'avais dit, ma théorie sur Vision, où je disais que c'était du montage dans le film, on le verrait pas tel qu'il est. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, je restais sur mon idée qu'il y avait que Hulk et Vision, ils nous mentaient. Mais il y en a tellement où ils nous mentent, enfin, où la bande-annonce nous cache des trucs, et tant mieux, tant mieux. Il y a plein de scènes qui ont été refaites, on va dire, pour la bande-annonce, pour ne pas nous spoil. Et franchement, c'est cool, parce que on se dit, ah c'est vrai que ça aurait été cool qu'ils nous le disent pas ça en fait. Du coup, je suis hyper content parce qu'il y a plein de bandes annonces qui spoilent la mort. Ensuite, pour ce qui est de la scène post-générique, il y en a qu'une seule qui se trouve tout à la fin et qui nous tease. Qui nous tease. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais elle nous tease, elle fait son travail de scène post-générique, elle fait son travail de teaseuse quoi. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais enfin, elle nous tease. C'est le boulot de la scène post-générique quoi. Elle nous tease la suite d'Avengers Infinity War. Voilà, comment ça va se passer. Sinon, au niveau du planning de mes vidéos, voici le planning de mes vidéos. Alors là, c'est ça le planning. Donc en gros, je vais vous le mettre là pendant 5 secondes. Vous mettez pause pour le voir. Attention, 3, 2... Voilà, donc normalement, ça devrait pas bouger. Mais il se peut que ça bouge, genre que je me dise... Ah, ce serait pas mal que je fasse une vidéo là-dessus et que j'en fasse une. Parce que ce planning que vous voyez, que vous avez vu il y a quelques secondes, c'est le planning que j'avais fait avant d'aller voir le film. Donc entre-temps, il y a quelques trucs qui ont changé quand même. Sinon, après, on a... Voilà. Donc ça, c'est toutes vos questions auxquelles je répondrai demain. Cette vidéo question sera divisée en 5 parties. On aura une partie avec les questions sur Thanos sans spoil, les questions sur Thanos avec spoil, les questions générales sans spoil, les questions générales avec spoil et les questions sur les morts. Donc qui meurt, est-ce que telle ou telle personne reste en vie, etc. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi et sur ce, allez voir le film, ne vous faites pas spoil, coupez tous les réseaux parce que parfois j'ai vu, hein, j'en ai vu, hein, il disait des trucs. Je lui disais, oh, il y a machin qui va faire ça. Dans la tête du mec qui disait ça, pour lui, c'était pas un spoil. Mais pour moi, moi, j'aurais très très mal pris et je me serais embrouillé avec lui, très clairement. J'aurais pris ça comme un gros spoil. Donc, voilà les gens, allez voir ce film. Et sur ce, ciao!